So we will keep our eye on lane 3, 4, 5, 6. What a great 400 this should be. They're out of the blocks in the 400 meters. Michael Johnson is in lane 4. Tyree Washington in lane 3. They're all running pretty evenly around that turn as if no one has the idea of really going out quickly. They're all watching each other. Well, Michael McDonald from Jamaica in lane 7 is the one who has gone out very fast. Tyree Washington moving up. Michael Johnson overtaking Jerome Young at this point. It's the 200 meters, and they have just a hair over 100 to go. Here they come down the stretch. There is Michael Johnson. Tyree Washington is second. Michael Johnson showing the way. Can Tyree Washington catch him, or has the master done it again? Michael Johnson. Michael Johnson wins the 400. He did not move up too fast, because if you saw the race, Tyree Washington, Michael Johnson, Jerome Young, and Butch Reynolds ran almost in order at the beginning of the race. Michael Johnson has got to be very, very happy with that time. He hasn't won 43 seconds in quite a while. Fastest time in the world this year. It's like the Chicago Bulls. Just when you think they're vulnerable, they show up and say, not yet, kids. We're still here. Des concours de saut en hauteur, de saut en longueur, des lancers aussi. Non, on l'a vu la semaine dernière, le lancer du marteau au-dessus de la Vistule. Exactement, ouais. C'était lancer par-dessus un fleuve, les images étaient extrêmement spectaculaires. Mais pourquoi pas ? Oui, tout est possible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les règlements de l'athlétisme international, les règlements de l'athlétisme ne permettent pas de valider les performances qui sont réalisées. Ça a été le cas, hein, parce qu'on a eu un record du monde. Oui, Anita Vlodarczyk a battu le record du monde du lancer du marteau féminin, mais ça n'a pas pu être validé parce que c'était sur une installation non permanente. C'est ça le critère actuel. Il faut les installations sur lesquelles un record peut être établi, ça doit être une installation permanente et homologuée par des officiels de la Fédération internationale. Alors ça peut être une installation qui n'est pas forcément un stade avec une piste entière, etc. Il peut y avoir une installation, par exemple, où vous avez juste une piste d'élan avec un sable au fond. Mais si c'est une installation permanente, ça peut être homologué et les performances établies sur cette installation-là sont du coup valables. Maintenant, si vous avez une installation provisoire, vous installez pour 2-3 jours juste pour faire un concours de saut à la perche en pleine ville, eh bien du coup, les performances ne sont du coup pas homologuées. Pour l'instant, on considère ça comme une exhibition. Exactement. Il faudrait une modification. Et je pense que le moment est venu parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de monter des installations provisoires qui sont parfaitement conformes au règlement. Et sécurisées également sécurisé, etc. Il faut qu'une piste d'élan ne soit pas en pente, voilà, par exemple. Il faut que ce soit parfaitement plat. Oui, sinon ça serait trop facile. Bah oui. Non, mais ça paraît basique comme ça, mais il faut pouvoir le mesurer. Voilà, simplement. Voilà, tout simplement le grand favori de la deuxième course de cette soirée parisienne, le Grenadien Kyrani James. Il gagne tout actuellement sur la distance, ce jeune homme de 22 ans. Il s'est révélé extrêmement jeune sur la distance, en devenant à 18 ans le plus jeune champion du monde. Et Kyrani James, ça fait longtemps qu'il n'a plus perdu. Le dernier qu'il ait battu, c'est la Shaun Merritt. Et la Shaun Merritt, il n'est pas là ce soir. Alors les principaux adversaires de Kyrani James devraient être le Sud-Africain Wade Van Niekerk et le surprenant Américain David Ferburg, puisque c'est lui qui a gagné les trials américains. Ouais, 44-41, son chrono, David Ferburg, il les a réussis en demi-finale à Eugene lors des World Trials. Il est allé un petit peu moins vite après en finale. 43 en finale. Et puis Wade Van Niekerk, 44-24 cette année, lorsqu'il a remporté la course au Meeting Diamond League de New York. C'était le dernier meeting de cette Ligue de Diamants. Kyrani James, lui, il est descendu en dessous des 44 cette saison avec 43,95. Prêt. Il y a 400 mètres intéressant aussi. Et Ferburg qui a battu la Shaun Merritt pour 3 centièmes en finale des Trials.
Et avec deux Européens, en couleur numéro 3, le Belge Jonathan Borlée, et au 7, le Tchèque Pavel Maslak. Et Jonathan Borlée, de la dynastie des Borlée. Et gros plan sur Kirani James, là, qui est en train de remonter tout le monde, et notamment Jonathan Borlée. Ouais, mais Borlée fait une bonne course. Ouais, ça lui a fait du bien que Kirani James, visiblement, remonte à sa hauteur. Ça l'a stimulé. Et Borlée, là, qui est en train de. Ouais, mais... qui est à la hauteur et c'est qui tient tête. Hein. C'est Van Niekerk. Ah, bah ouais, Borlée. C'est Van Niekerk qui est en train de mettre à mal Kirani James. On l'avait annoncé, hein, le Sud-Africain. On va vérifier le chrono. Incroyable, incroyable. Kirani James se retrouve battu ici à Paris. Bon, même si on a eu l'impression qu'il. Peut-être voyons le Sud-Africain le dépasser. Il a un petit peu lâché prise, Kirani James. Ah, il s'est crispé là, lorsque à la sortie du virage, il a été attaqué par l'extérieur au couloir numéro 5. Et le chrono ouais. De Van Niekerk, 43,96. C'est un centième de plus seulement que le meilleur chrono de la saison de Kirani James. Le record d'Afrique pour Van Niekerk. Voilà, c'est pas une énorme surprise parce que c'est... 3 dixièmes de mieux que son record personnel donc pour Van Niekerk donc dans un grand meeting comme celui-là avec l'opposition qu'il y avait ce soir, très très beau 400 mètres en tout cas avec certainement un très bon chrono aussi pour Kirani James quand même, ouais, 44-17, c'est pas mal hein. Mais il n'y a qu'un seul homme qui est descendu sous les 44, c'est donc le Sud-Africain Wade Van Niekerk, 22 ans. Ce sont de tout jeunes hommes là qui sont en point sur ce 400 mètres. Kirani James et Van Niekerk qui sont tous les deux de 1992. Et on voit, regardez là, on voit bien que Kirani James là, il pioche, il se crispe beaucoup là, il grimace et Van Niekerk est beaucoup plus fluide. Bah, évidemment, c'est plus facile quand on est en train de gagner. Et qu'on sent qu'on a plus de vitesse que son adversaire. Très très beau duel en tout cas sur ce 400 mètres entre Van Niekerk et Kirani James. Et au niveau des chronos, c'est bien parti ce soir. Ouais, mais ça confirme ce qu'on pressentait. Cette chaleur, c'est favorable. La piste ici à Paris, on le sait, est très. Il y a 400 mètres intéressant aussi. Et Furberg qui a battu la chaude mérite hein, pour 3 centièmes en finale des trials. Et avec deux Européens, en couleur numéro 3, le Belge Jonathan Borlée et au 7, le Tchèque Pavel Maslak. Et Jonathan Borlée, de la dynastie des Borlée. Et gros plan sur Kirani James, là, qui est en train de remonter tout le monde, et notamment Jonathan Borlée. Ouais, mais Borlée fait une bonne course. Ouais, ça lui a fait du bien que Kirani James, visiblement, remonte à sa hauteur. Ça l'a stimulé. Et Borlée, là, qui est en train de. Qui est à la hauteur et qui tient tête. Hein. C'est Van Niekerk. Ah, bah ouais, Borlée, c'est Van Niekerk qui est en train de mettre à mal Kirani James. On l'avait annoncé, hein, le Sud-Africain. On va vérifier le chrono. Incroyable, incroyable. Kirani James se retrouve battu ici à Paris. Bon, même si on a eu l'impression qu'il. Peut-être voyons le Sud-Africain le dépasser. Il a un petit peu lâché prise, Kirani James. Ah, il s'est crispé là, lorsque à la sortie du virage, il a été attaqué par l'extérieur au couloir numéro 5. Et le chrono ouais. De Van Niekerk, 43 seconds in quite a while. Fastest time in the world this year. It's like the Chicago Bulls. Just when you think they're vulnerable, they show up and say, not yet, kids. We're still here. Des concours de saut en hauteur, de saut en longueur, des lancers aussi. Non, on l'a vu la semaine dernière, le lancer du marteau au-dessus de la Vistule. Exactement, ouais. C'était voilà, lancer par-dessus un fleuve, les images étaient extrêmement spectaculaires. Mais pourquoi pas ? Oui, tout est possible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les règlements de l'athlétisme international, les règlements de l'athlétisme ne permettent pas de valider les performances qui sont réalisées. Ça a été le cas, hein, parce qu'on a eu un record du monde. Oui, Anita Vlodarczyk a battu le record du monde du lancer du marteau féminin, mais ça n'a pas pu être validé parce que c'était sur une installation non permanente. C'est ça le critère actuel. Les installations sur lesquelles un record peut être établi, ça doit être une installation permanente et homologuée par des officiels de la Fédération internationale. Alors ça peut être une installation qui n'est pas forcément un stade avec une piste entière, etc. etc. Hein. Il peut y avoir une installation, par exemple, où vous avez juste une piste d'élan avec un sable au fond, mais si c'est une installation... So we will keep our eye on lane 3, 4, 5, 6...
what a great 400 this should be. They're out of the blocks in the 400 meters. Michael Johnson is in lane four. Tyree Washington in lane three. They're all running pretty evenly around that turn as if no one has the idea of really going out quickly. They're all watching each other. Well, Michael McDonald from Jamaica in lane seven is the one who has gone out very fast. Tyree Washington moving up. Michael Johnson overtaking Jerome Young at this point. It's the 200 meters, and they have just a hair over 100 to go. Here they come down the stretch. There is Michael Johnson. Tyree Washington is second. Michael Johnson showing the way. Can Tyree Washington catch him, or has the master done it again? Michael Johnson. Michael Johnson wins the 400. He did not move up too fast, because if you saw the race, Tyree Washington, Michael Johnson, Jerome Young, and Butch Reynolds ran almost in order at the beginning of the race. Michael Johnson has got to be very, very happy with that time. Sa installation permanente, ça peut être homologué, et les performances établies sur cette installation-là sont du coup valables. Maintenant, si vous avez une installation provisoire, vous installez pour 2-3 jours juste pour faire un concours de saut à la perche en pleine ville, eh bien du coup les performances ne sont du coup pas homologuées. Pour l'instant, on considère ça comme une exhibition. Exactement. Il faudrait une modification, et je pense que le moment est venu, parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de monter des installations provisoires qui sont parfaitement conformes au règlement. Et sécurisées également. Sécurisé, etc. Voilà, il faut qu'une piste d'élan ne soit pas en pente. Voilà, par exemple, il faut que ce soit parfaitement plat. Oui, ben sinon, ça serait trop facile. Bah oui. Non, mais ça paraît basique comme ça, mais il faut pouvoir le mesurer. Voilà, simplement. Voilà, tout simplement, le grand favori de la deuxième course de cette soirée parisienne, le Grenadien Kyranny James. Il gagne tout actuellement sur la distance, ce jeune homme de 22 ans. Il s'est révélé extrêmement jeune sur la distance, en devenant à 18 ans le plus jeune champion du monde. Et Kyranny James, ça fait longtemps qu'il a plus perdu. Le dernier qu'il ait battu, c'est la Shaun Merritt. Et la Shaun Merritt, il n'est pas là ce soir. Alors les principaux adversaires de Kyranny James devraient être le Sud-Africain Wade Van Niekerk et le surprenant Américain David Furburg, puisque c'est lui qui a gagné les trials américains. Ouais, 44-41 son chrono, David Furburg, il les a réussi en demi-finale à Eugene lors des World Trials. Il est allé un petit peu moins vite après en finale. 44-63 en finale. Et puis Wade Van Niekerk, 44-24 cette année, lorsqu'il a remporté la course au Meeting Diamond League de New York. C'était le dernier meeting de cette Ligue de Diamants. Kyranny James, lui, il est descendu en dessous des 44 cette saison avec 43-95.